73-51, les stations en fréquence de la barre de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Je vais y arriver. Et côté circulation, c'est tout cuir dans les deux sens. Eh hey, salut, c'est toi qui étais en train d'appeler ton chien à l'instant? Ah d'accord, en principe je réponds pas quand j'entends quelqu'un siffler, je me sens pas concerné. Là c'était, j'ai envoyé mon petit message habituel quand je passe sur le pont. Oui, je sais, ouais, c'est vrai. Au fait, t'as vu un peu le clip que j'ai fait là, non? Ah oui, en plus, je sais que tu l'as vu, n'importe quoi. Ouais, bah oui, là, je me suis lâché. Là. Ah, tu l'as mis sur YouTube? Oui, j'ai mis sur YouTube, j'ai mis partout, partagé partout. Même sur. J'ai même envoyé un email, des emails à certaines boutiques. là, c'est faut être bon là dans le domaine. Hein. C'est là, je sais pas faire. On va pas aller voir Disney ou George Lucas, on va faire un film sur les civils. Ok, vas-y, contacte-les. Attends, au repos aujourd'hui? Week-end, hein? Oui, ben moi aussi, puisque là je débouche juste. Enfin, j'ai débouché à 7h30, quoi. Ah, j'étais en journée, moi. Mais ouais, j'étais quand même pris ce week-end. Fin de fête. Vers Noël, il passe toute l'année, remarque, tu me diras. Ok, ben pour le réveillon, je passe aussi. Quoi. Moi, j'ai fait le même temps. Ah, ok, oui. T'as donné la bonne adresse au moins? Tu as indiqué où était la cheminée? Ouais, mais ça va pas rentrer dans la cheminée, c'est trop long. Ah bah toi aussi, couillon! J'ai commandé une J-Pole. J-Pole. Tu sais qu'il va pas me prendre là. Ouais, elle est présentée sur le forum. Voilà. Donc, elle est d'Italie, donc j'attends. D'accord. Et t'en penses quoi de cette antenne, parce que je connais pas du tout, hein? J'en ai des bons retours, et il paraît qu'elle marche du coup dessus. Ok, d'accord. J'ai envie de dire que, de toute façon, tout dépend de l'emplacement, ceci, cela, ainsi de suite, hein. T'as assez comme, par exemple, la Sigma, la Mantova 8. Ah, c'est... Elle est cataloguée comme étant... l'une des reines du DX, hein. Et c'est vrai qu'elle marche bien, moi j'en suis très content de la mienne, alors que Daniel, lui, chez lui, bah, il a attrapé tous les QRM avec, il a dû passer sur une demi-onde pour que ça aille mieux. Non, mais moi j'avais la laisser telle qu'elle, et puis, bon, vu que j'ai pas de QRM avec celle-là, je pense qu'avec l'autre, ça sera encore mieux. L'autre jour, j'ai entendu le bassin d'Arcachon, mais tout petit, donc mon but, c'est d'atteindre plus loin. Ah oui, oh, c'est rare quand je les entends. Hein. Là, il faut vraiment qu'il y ait un petit peu de propague locale pour arriver à les sortir. Hein. Merde, je vais dire un truc. Ouais, t'as pas de QRM chez toi? Putain, je te chance. Je vois, moi, sur le 7009, j'ai constamment 5 points de QRM. Hein. Pardon. J'ai dû rebasculer sur le Yasu là, pour que ça aille mieux. Hein. Ça peut venir du poste. 7009, j'ai déjà entendu ça il n'y a pas longtemps, comme quoi il réceptionnait des QRM. Ça peut venir du billet. Le poste, il est pour beaucoup aussi. Hein. Ouais, bon, de toute façon, hein, dans un poste mobile, tu n'auras jamais tous les filtres qu'il y a dans un décamétrique. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait avant-hier, justement. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est plus que s'équiper la DK. Bah, moi, ça va, je ne passe pas, mais le Lingot, je suis tranquille.
Ah ok ouais. Pardon. Putain, j'ai une crème en plus. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que là, t'es vraiment chanceux là. Parce que alors là, c'est vraiment le bal du siècle, ça, c'est QRM. Pourtant, la campagne, ça ne doit pas être. Ah, je suis en plein milieu d'un petit village. Alors forcément, forcé. Tu peux pas monter en altitude? Alors pour ça, il faudra que je déplace la maison. Tu déplaces la maison? Ah oui, c'est pas possible. Ouais, je suis en plein milieu d'un petit village et au pied d'une colline. Et en plus, l'emplacement de la maison est dans une cuvette. Tout pour plaire, quoi. Ben, c'est pas compliqué, il y a une côte là, qui est à côté de chez moi, et quand tu regardes comme ça là, à la hauteur de la maison, ben, du coup il y a l'antenne, les radios de l'antenne qui sont au niveau de la route. Pour te dire que oui, je suis vraiment dans un trou. Ah ouais, là effectivement, ouais. Merde. Ouais, pour bien faire, il faudrait que l'antenne soit à 20 mètres de haut. Mais ça va pas être possible, d'autant plus que j'ai une église classée monument historique à quoi, à 70 mètres de chez moi. Donc c'est pas possible. Déjà que l'antenne plus le mât, j'ai dû peindre tout ça avec de la peinture à l'eau vert palombière pour que ça se confonde dans le paysage. Alors monter encore plus haut, et puis de toute façon au niveau au banc, j'ai pas envie de resserrer l'angle et qu'après en cas de tempête ça me fout de la merde. Ah ouais, effectivement, ça serait une idée ça. Va falloir creuser la question, hein, j'y crois. Tu téléphones au clergé, tu dis voilà, les voies du Seigneur sont étant impénétrables, j'aimerais bien monter Jésus, donc il nous faut une antenne. Pardon. En plus de ça, à cause de ce foutu bâtiment, j'ai vachement de restrictions là, chez moi. Je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Bon, quel emmerdement. Ils ne pouvaient pas mettre ça ailleurs sans déconner. Ah, en même temps, ils peuvent dire pareil de toi. Ah, chie. Ah bah tu m'étonnes, tu commandes en pleine période de fête, c'est peut-être un peu normal là pour le coup. Je sais pas, apparemment il y a marqué 7 kilos, alors je sais pas s'il y a 7 kilos, mais c'est pas léger quoi. Ouais bon, il y a le poids de l'emballage avec. L'emballage, il doit y avoir quoi, peut-être 2 kilos. Ah, ça fait quand même pas mal pour l'antenne. Hein. J'irais dire que l'antenne elle-même faisait 5 kilos. Donc, oui, tu fais 2 kilos d'emballage, c'est pas fait ça. Ah bah tiens, voilà, c'est ça. Tu sais, elle est pas plus lourde que la GP, je sais pas comment elle fait avec les rations. Je n'ai jamais pesé. Je saurais pas te dire. Je me souviens plus. C'est ce que tu me disais le dernier coup, hein, c'est super ça. De toute façon, là, je crois que c'est pas aujourd'hui que tu monteras sur le toit, hein, vu la météo qui est annoncée, vu ce que j'ai en ce moment. Là, c'est clair que tu vas oublier. Oui, non, mais bon, il y a bien un jour où il va faire beau, merde. Enfin, quand t'attends le printemps. Là. Ah, je plaisante, je me doute bien. Sont antidérapants, alors on avait des baskets, je glisse pas, je suis tranquille. Ok.
Quand je monte sur le toit, quand je monte le long de mon tube, puisque je me suis fait là, un petit peu comme, comme des petites marches avec des colliers, quoi. Je veux dire que j'ai intérêt à serrer tout le entre les jambes, hein, pour pas me casser la figure. Alors je prends les chaussures de boulot, là, les Rangers. Elles sont bien dures et tout ça, et là je grimpe comme ça le long des tubes. Ah oui, c'est des quoi attraper des crampes. Parce que toi, c'est juste des colliers pour collerette de banage. Donc, il y a quoi? Il doit y avoir peut-être 3 cm de chaque côté. Quoi. C'est tout, quoi. Mais elle est fixée sur quoi? Alors, moi, l'antenne, elle est fixée ben, sur du tube du mat télé. Si j'ai une maison de plein pied, la base de l'antenne est à 9 mètres de haut. Ni l'un ni l'autre, c'est facile, sur un support de pignon. D'accord. On va les fixer sur la maison, mais pas deux étages, mais les fixer sur le truc de l'antenne. Et comme c'est une grosse fixation, ça risque rien. Ils sont allés au banné. Ouais, ouais, il faut au banné. Hein. Tu l'as mis au bannage en 4 points, non? Au bannage avec des cordes. Oui, mais en combien de points? Fatche de Dieu! Ah ben là, ça va pas bouger, là. Ah, ça peut souffler, hein. Là, pour le coup, c'est sûr que ça va pas tomber, là. 10 ou 8, je sais pas, 4 en bas et 4 en haut, 3 en haut, je sais pas. Ben, au niveau, ça peut pas bouger, non. Mais je vais le refaire, je vais mettre des tendeurs. Parce que là, ça bouge un petit peu, quand même. C'est la fille de la corde, là, qui vend la bâtie, là, les 25 kilos de pression. Ah, sur deux niveaux donc. Ok, d'accord, là je comprends mieux. Moi, moi ce que j'ai mis du gros fil de fer de clôture. Bon, ben, des tendeurs qui vont bien avec. Alors, j'ai pas tendu à mort. Hein. J'ai laissé un petit peu de bout dedans que ça puisse travailler un petit peu. Quoi. Et en partant du tube du bas de télé, j'ai mis deux séries d'isolateurs. Bon, évidemment, toi, tu n'as pas ce problème vu que c'est de la corde nylon. Alors, j'ai mis une première série d'isolateurs directement là, à quelques centimètres du tube, et une seconde série 1,50 m, ouais, c'est ça, je crois, 1,50 m plus loin. C'est pour ça que je ne voulais pas de bord en métallique, j'ai pas de interférence, c'est pour ça, donc je vais mettre de la corde. Ouais, c'est sûr, puis de toute façon, hein, quand il fait beau, de c'est les bleus. Donc la corde a passé inaperçue. Ouais, c'est vrai. Quand tu détaches les rebords, la corde elle tombe, alors que le fil de fer il va tomber tout le bordel. Attends, j'ai pas compris. Hein. Je disais, quand tu détaches les rebords, c'est de la corde, donc si tu mets du fil de fer, tout va s'emmêler, tout le bordel, et quand t'es en haut, bonjour. Ah ça, alors moi par contre je l'ai doublé, ce qui fait comme ça, j'ai si j'en ai un qui casse, j'ai toujours l'autre qui est là en secours. J'ai vu qu'ils vendaient du câble, mais en fait, ici j'ai mis ça, parce que c'est dommage. Ah ok, ouais, mais il existe, hein, mais oui, bien sûr, tu le sais, ça existe, des vrais câbles de pour emballage. Mais le prix n'est pas le même aussi, hein. Oh la vache. Je me souviens plus des prix, mais putain, j'ai eu des choses qui se sont hérissées sur la tête. Oui, ça aussi, c'est pas donné, hein. Surtout celui-là. Hein. Donc j'ai utilisé la corde et avant que ça casse, elle est dure à voir, qu'elle souffle. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr que là, avec de la corde de nylon, là t'es tranquille. Hein. Ben oui, les gens pensent pas à ça à chaque fois. En plus, c'est pas cher, donc c'est efficace. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, les gens pensent pas à ça, je sais pas. Je sais pas, ils ont peut-être peur que dans le temps, avec des intempéries et tout ça,
le soleil qui tape dessus, surtout sur du sud-ouest, qui crame quand même bien comme il faut. Mais je pense que c'est plutôt ça, dans le temps, dans les années, que ça finit par s'effriter et puis au bout du compte, casser. Oui, bon, beaucoup de quelques années, il faut quand même descendre l'antenne, voir si elle n'est pas oxydée, les PL, tout le bordel. Donc après, même si le câble, même si les vitelles, les cordes durent 5 ans ou 10 ans, ça va, ça te laisse de la marche. Ouais, c'est sûr. Ta joie, justement, tu parles de PL et tout, ça. J'y suis monté là dernièrement, justement là tout en haut. Là. J'ai voulu voir comment était la PL, hein, si elle était toujours bien serrée. Ah putain, j'avais oublié que j'avais serré à la pince. Quoi. Ah non de Dieu, mais du coup je me suis retrouvé baisé. Je me suis dit, ok, le contact il est bon. De toute façon, j'ai pas de toast, tout va bien. Moi aussi j'ai serré à la pince. Mais tu mets de la colle à chaud, ça y est, t'as été protégé. Hein. Silicone. Puis s'enlever au cutter après, mais je veux dire, là, ça protège l'humidité, elle rentre pas, là, c'est sûr. Ah ben, sur la manteau va vite, tu as un truc exprès, justement, de prévu, pour envelopper un truc en caoutchouc, qui permet d'envelopper complètement la PL. Sur quelle antenne? La manteau va vite. J'ai dit une connerie, non? J'ai dit autre chose? Non, je croyais que tu parlais de la cipolle, parce qu'il peut lui savoir qu'il mette un truc de protection avec, je sais pas, je verrai bien. J'ai l'autre là, qui est en train de s'amuser sur son téléphone, là, devant moi, là, dans sa voiture. Putain, par moment, je le vois zigzaguer, là, ou ralentir. Ah bah tiens, on est à 60. Mais tu vas te lâcher ton téléphone, toi, devant, là. Allez, c'est bon, on repart. Non, je parlais de la manteau 8 hein, qui a la PL complètement d'enfermée dans une sorte de capuchon au caoutchouc. Quoi. Et justement, quand j'ai regardé ça l'autre jour, eh bien, dedans c'est nickel, j'ai vu aucune oxydation, rien de rien. Ça va être mieux. Je me suis aperçu que c'était plus. Ça marche, fonctionnait mieux quand il pleut, dis donc, que quand il fait beau. J'ai moins de PL quand il pleut, c'est très curieux. Ah, ça c'est parce que tu dois avoir des infiltrations d'eau à l'intérieur. Et si ça en fait chier certains, toi on dirait que c'est davantage. Ben voilà, le mauvais temps, ça va porter au milieu du temps. C'est dingue quand même. Ben oui, chez moi ça change rien. Faut dire aussi que vu que l'antenne est complètement peinte en peinture à l'eau pour extérieur, forcément tous les embêtements sont peints, donc protégés. Quoi. Et s'il y a des infiltrations d'eau, ça va être vraiment minime. Voilà, il faudrait qu'il neige. Vu que la neige, ça dénigre tous les bruits, si ça se trouve, quand il neige, ça va être nickel. J'ai pas compris, désolé. Je disais, sous la neige, il faut essayer. Quand il neige Ah ouais, si tu veux. Ben oui, 1,50 m de neige, c'est cool. Ah oui. Ah ben là, on est tranquille. Là, en plus, vu qu'on n'est pas équipé pour ça, là, tout le monde reste chez soi. Là. T'as intérêt à faire tes courses avant, hein, parce que là aussi, tu serais baisé. Ouais. Sur la rocade de Libourne. C'est un bon 75, mais il faut que ok, bon, ça passe bien encore. Je sais pas trop regardé comment tu passes. Bon, moi je sais que ça passe. Ah oui, je vois pas bien le chiffre, j'ai pas mis mes lunettes. Mais le signal bon haut. Oh, justement, je suis en train de faire une petite vidéo. Au montage, tu pourras voir ce que ça donne. Ouais, on voit qu'il y a un truc d'ailleurs qui marche bien, qui favorise la propague, H3 coups. Bon, je ne me plains pas, je passe dans Bordeaux, je passe dans le côté, ça va, j'arrive à passer un petit peu partout, donc ça prouve que c'est bien installé. Ah ouais, mais il y a autre chose que le poste là, quand même. Non, juste la puissance du Lincoln, c'est tout. Ah ouais?
Putain, mais elle marche bien cette antenne. Oui, pour le prix, marche bien. L'autre, elle est un peu plus chère. Avec le prix de la poche, 188 euros. Ça fait 166 euros. Peut-être que j'ai sur un doigt depuis 50 euros. Ouais, mais tu sais, hein, des fois, c'est pas toujours le prix qui fait la différence. Hein. Et puis on a beau dire, hein, dans le cas des antennes, tout dépend de l'emplacement. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ben, là où tu es, pour cette antenne, eh ben, c'est super. Quoi. Voilà. Quoi. De toute façon, la Super N7 avec ou sans radio, elle a toujours plus ses preuves. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, tiens, j'entends des perturbateurs habituels là qui se foutent là sur le 19 FM. Enfin, bon. Tiens, je suis en train de sortir là à Libourne. Là, au niveau de si tu connais, là, au niveau de Citroën, Carrefour, de ce côté-là, quoi. Voilà, là, je suis en train de sortir à cet endroit-là pour attraper après direction question la bataille. Alors, en tout cas, là, pour revenir à l'antenne, imagine que du coup, avec la J-Pole, ça passe moins bien, quoi. Oh putain, les boules! Putain, je suis en plein dans les QRM là, qu'il y a là, de mon côté, là, du côté de la zone de commercial. Ok, je vais. Bon, j'ai compris que tu allais passer en QRT. Ok, ça marche. D7351, toi, la bonne journée. A plus. Et paraît-il qu'hier, il y a une propague d'enfer, là, hier après-midi. Bon, j'étais au 144, dommage pour moi. Eh oui, on peut pas bosser la nuit et puis être debout la journée. Ok, les 2073 sont tournés, à plus. Ok, bye. Bon, eux, ils doivent être en vacances. Là aussi. Pour les autres au niveau local, 8h10, 8h15, bon, ils doivent faire la grasse matinée. Allez, les 73, 51, 212, bon réveillon à venir, à plus.